Coucou les amis. Donc là, j'étais en train de monter au lac de Pormenat. C'est les ouches Chède et Servoz. Enfin, Servoz et Chède qu'on voit en bas. Là, c'est les chalets d'ailleurs. Et bon, j'ai été bloqué par la neige. Du coup, j'ai arrêté mon ascension, j'ai fait demi-tour. J'ai passé pas mal de plaques de neige. Et voilà, je viens de passer la dernière plaque. Et donc là, je suis sur un chemin 4x4 qui est accessible à tout le monde. Il faut juste savoir, monter à vélo dans des pentes raides et avec des cailloux. Et ensuite, savoir rouler, monter et descendre dans des cailloux qui ne sont pas scellés. Ça, c'est important. Doucement dans l'eau, ça mouille. Hop. C'est un petit sentier là. Ouais, c'est un sentier. Hello. On va passer par là. Il y a les restes d'un chalet là. Un petit chalet ici, ça serait chouette. Waouh. Là on va passer là. Je crois qu'il y a déjà du monde qui est passé par là. En fait, ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que quand quelqu'un passe une fois sur un chemin de traverse, et ben les gens vont y passer à chaque fois. Et ce qui finit par faire ben plusieurs sentiers comme on voit là. Hop, je vais regarder ce qu'il en est. Hop, voilà. Alors, hop. Je pense que nous on va pleine joue, la mollet, les Aillères des Pierres. Ouais, on va redescendre par. Je suis monté par là en fait, par ce chemin, et je vais prendre 2-3 sentiers qui coupent. Et sinon, on va redescendre par là. Parce que de l'autre côté, ben, c'est l'endroit où Mathias s'est pété la gueule. C'était un sentier qui était assez délicat. Et j'ai quand même une petite appréhension sur ce sentier. Donc je préfère... on le reprendra avec Mathias ensemble, mais je veux pas le reprendre tout seul. Ça donne.
on verra bien. Bon les amis, moi je vous quitte, je vous laisse ici. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. Et moi je te dis à bientôt. Bisous bisous.